Julien Rintaf et aujourd'hui j'ai décidé de faire du ménage sur mon PC. Il me reste plus que 20 gigas libres sur un Tera. C'est pas beaucoup. Aussi j'ai décidé de voir qu'est-ce qui me prenait autant de place sur mon disque dur parce que clairement je sais pas où sont passés ces 980 gigas qui manquent. Et je me suis rendu compte que bon, il y a peut-être pas 980 gigas mais une bonne grosse partie est consacré à des vidéos que j'ai pu tourner avec Gotok et qui n'ont jamais été publiées. Aussi, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit méni-mélo, un petit condensé de tout ce qu'on a pu faire comme conneries depuis un an et demi et qui n'a jamais été publié. C'est parti! Wouah, c'est pas tous, c'est Gotok et aujourd'hui, on se retrouve sur notre Black Show numéro 5 en compagnie de, accessoirement, du Léon. Tout simplement, puisque je vous... Hein ? Hé, hey, t'as encore le skin de Hulk. Ah, merde ! Ça fait une nouvelle maison, attendez, je vais vous la montrer. 3, 2, 1, ouais, hop ! Je l'ai mis en magnifique. Une grotte, voilà. Ah, je me suis fait mal. Voilà. Bonjour. Je vais prendre ça, déjà. Oh, moi, je vais lui mettre un cochon, je vais lui mettre une selle. L'épisode consacré à... Ah, voilà. Un cochon, ouais. Ouais. Remarque, ça va chier du cochon. Moi j'ai l'habitude de monter mon petit cochon, hein. Pas devant les gens, vas-y. Pas devant les gens. J'ai cliqué sur lui, il m'a regardé, il m'a fait bf. En gros, ça veut dire qu'est-ce qu'il a brouté l'herbe. Ah, ça je savais pas. Là, je suis en train de faire mon Tarzan, tu vois. En Tarzan, en plus, je suis vert, ce qui n'a aucun rapport avec Tarzan. Et puis écoutez les gens, moi je propose d'aller sous terre. Mais y a pas de cochon sous terre. Au prochain épisode, je vous jure que je commencerai sur un cochon. T'as pris tout le cuir, tout le fer. Ouais. Enfoiré. Voici 3 fers, mon enfant. Merci, mon père. Et il y en a un sur le frigo aussi. Hop. Alors, mais les Hulk, ils ont... Ah non, j'allais dire qu'ils ont jamais de pantalon, mais en fait, Hulk, c'est la seule chose qui lui reste. Hein. Sinon, ça ferait un Peggy 18. Touk, tac. Tech. Ah bah 3 stacks pile. Oh my god. J'y bande. 3, let's go. C'est parti les amis. Nous allons y arriver. Je sens qu'on peut y arriver. Ça veut rien dire. Où allons-nous? Dans la grotte. Où allons-nous? Dans la grotte. Ouais. Wow. Ravoule ton cul. Mais je sais pas où t'es. Alors t'es parti par où? Je sais pas où je suis. Écoutez, je pense qu'on va faire une ellipse le temps de retrouver de la bouffe. D'accord. Une ellipse. Mais oui, une ellipse. A tout de suite les... Jean, voilà. C'est une ellipse qui a duré 2 minutes vu que nous on a le game mode et on s'en bat les couilles. Sur une ellipse, à tout de suite les Jean, voilà. Encore une ellipse du même genre. On est revenu là. Enfin non, je sais pas où on est. Regarde. Vas-y, approche-toi. Non mais... Salaud, je l'avais vu venir. Puisque la vie n'est pas intéressante, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie. Oh les. Et t'es parti où? À perpétuer les oies. Connard. Non mais. Toi, t'aimes pas la lave, je sens. Ah non, ça me fait trop stresser à chaque fois. Je me dis, non, je vais brûler. Faut pas que je brûle. Moi, c'est le contraire. Moi, j'aime bien la lave, c'est marrant. Ouais, parce que toi, t'es un chaud lapin, toi. Ah oh yes! Comme Bokel! Ah, le creeper explosé, ils sont tous morts. Mais défends-moi, putain! C'est ce que je peux. Attaque-les! Putain mais c'est inoffensif à moitié toi. Je rêve ou j'ai entendu une poule. Tu dois rêver. Ouais je crois aussi ouais. Creeper, zombie, Enderman, squelette aussi. Enderman. Oh ils passent devant moi, ils sont tous trop sympas. S'ils me regardent ils passent devant moi et genre dire coucou. On doit y aller, désolé. T'es prêt? C'est parti. Ah, mon chien. Like a beau gosse. J'ai une underpearl. Ouais. Tu as réussi ta vie mon gars. Ma vie. Ah du lapis lazuli. Ah oh, bah là j'ai encore plus réussi ma vie. Je vais pouvoir faire de la laine bleue. Oh yeah. Congo. Allez. Laine bleue. Regarde là devant moi la lave. Quoi? C'est beau hein. C'est beau. Oh c'était quoi ça? Ah. Foiré. Est-ce que j'ai du bois? Attends je vais prendre un peu de bois. Et puisque j'ai la flemme de redescendre, on pourra me faire un seau d'eau. Faut récupérer. Tu as gardé de la nourriture sur toi pour savoir. Parce que pour l'instant j'ai tout, mais ça va baisser.
C'est-à-dire... Enfin, si, il va nous atteindre. Ou je lag. C'est bon. Ah ! Saloperie, il était juste derrière moi, le truc. Alors, tu ne sais pas où je suis, bienvenue au club. Ah, c'est bon, je te vois. Oh, il y a aussi un squelette, tout le monde. Et je suis bloqué dans l'eau, pourquoi il veut plus remonter ? J'ai un bug, la BD ! Ah ouais, ça arrive. Tu casses un bloc. Ah, là, tu peux y aller. Non, parce que là, il y a un trou. Mais putain ! Oui. Aïe, pierre zombie. Oula. Déformation temporelle. Tu as raison, nous sommes en déformation temporelle. C'est les genres de trucs où tu peux aller dans le futur et que tu peux modifier l'avenir. Mais bien sûr, Marty. Ouais. Et nous, on a trouvé du diamant. Pa pa la pa pa pa. Oula. Pa. Tu veux voir ma grosse pioche qui te donne des coups puissants? Ah, squelette. Salut toi. Tu veux voir ma bite? Moi je veux bien. On se laissera de ses biens pour aller faire chier juste devant le portail du Nether en disant mais bien sûr, bientôt nous y rentrerons. Bientôt. Pas dans cet épisode là, va falloir regarder le suivant, va falloir attendre un mois le temps que Bulléon les publie. Et elle est au-dessus de la lave et tout, t'arriveras pas à la voir. On parie. Mais bien joué mon cher Gotok. T'es moins con que t'en as l'air. C'est un épisode que je suis encore tombé. Ah. Non là, non. 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 C'est pas possible. Il y avait de l'eau juste à côté. C'est pas possible. Non. Pourquoi il y a un creeper à côté de la maison? Mon dieu. Il m'a vu. Moi y'en a deux à mettre rouge. Et un zombie. T'as récupéré mes affaires ou elles sont tombées dans la lave? Elles sont tombées dans la lave. Non. C'est pas grave, je respawnerai ce que j'avais sur moi. Game mode quand tu nous tiens. C'est long. Je suis en train de piocher avec la pioche en enfer depuis tout à l'heure. Fais gaffe, c'est de la lave en dessous. Hein. Ouais. Elle est tombée. Ah! There is an araignée, voilà, spider, in your face, spider. Oh yeah, oh yeah. Bulléon 29, garde du corps personnalisé. Yes! Il en faut 14. Venez les mobs, je vous attends, je suis prêt à tout. La 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 la. Oh la la la. Oh la 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 la. Oh la la la. On pioche, pioche, pioche du diamant, maman. On pioche, 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 pioche du diamant, maman. C'est l'obsidienne que tu récupères là. Ferme ta gueule. On pioche, pioche, pioche de l'obsidienne, diamant. On pioche, 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 pioche. Nouveau tube de l'été par l'équipe Bulltalk. Piochons de l'obsidienne. Pio, pio, piochons de l'obsidienne. De l'obsidienne, c'est bon pour l'obsidienne. C'est bon pour les abdos. C'est bon pour les abdos. La voix de PD. Faire du sneak aussi c'est bon pour les abdos. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Plus que un et après on remonte à la maison. À la maison. À la maison. Eh, c'est plus un épisode là, c'est un concert. Comment, où t'es? Comment t'as fait? Eh hey. Laisse pas tout seul. Ta gueule, je me barre. Alors, on va la faire ici. Tac. J'en ai mis un côté. J'ai le briquet, viens. Assistons à la naissance de notre portail vers le Nether. Vers le Nether. L'objectif enfin atteint de Bulléon et Gotok. Donc voilà les gens, c'est la fin de l'épisode. Ouais, non mais c'est normal puisque on gardera ça pour la prochaine fois. Hop, je rentre. Hop, je sors. Waouh, c'est pas tous, c'est Gotok. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode de Duplex Show, saison 2. Mon cochon, j'ai oublié mon cochon. Table d'enchantement. What? Salut à tous, c'est The Bulléon 29 sur un fucking cochon.
Ah non, pas encore, je suis dans le mur. Je t'explique, je viens de mourir comme ça, mais vas-y, mais les cochons, ils se tapent un trip à tourner sur les torches, vas-y. Là j'ai fait une petite salle d'enchantement. Je suis niveau 0 moi. Oh putain. Ils montent haut les enchantements. Sauf que je suis niveau 5. 3 2 Attends moi et oh. J'arrive. 3 2 1 oh. Je te vois bouger dans tous les sens. Ouais, moi aussi. Bon bah on a fait le nez, voilà. C'est la fin de l'épisode, je vous dis à bientôt, ciao. Ah non, ça part par là. Ça vient du serveur, hein. C'est sûr, c'est pas mon PC. Alors ça, ça peut pas être mon PC. Putain, ça coule de partout. Il est fort, mon PC, il est beau, il est puissant, il est grand. Approche-toi du bout là, regarde. Tu vas me pousser dedans? Ah non, je te promets. Approche-toi, mets-toi en sneak, Tu te fous de moi? Un portail temporel, Marty. Une accélération temporelle dans 3, 2, 1. On avait la vérité. À quoi ta sœur d'acheter des PC puissants si ton pote il a pas de connexion? C'est en merde. De l'accélération temporelle dans 3. 2, 1, fin du couloir temporel, Marty. Bah, bon. Je sais pas toi, mais moi j'éteins le feu. Eh, 39. Il dit même. Non. Attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est un. Comment ça s'appelle, un cast? Quoi? Ah! Ah, mais c'est énorme! Bah oui. C'est bon. Putain, il a réussi à me choper de là où il était, l'enfoiré. Voilà, ça c'est le laser. Putain, mais c'est... Ah, mais c'est épique, j'adore. Putain, le fantôme géant qui balance des boules de feu, j'adore. J'adore ce couloir temporel, Marty. Regarde l'immense lac de lave. Ah, une sous-scène. Oh, putain. Ne pas tomber. Ouh, attaque. Comment tu fais pour voler? C'est le laser. T'es en game mode, espèce de connard. T'aurais pas dû mettre en game mode, ça aurait été plus épique. Oh, je sais, mais tu sais, j'ai pas vraiment de couilles en face des mobs. Ouais, j'assume, hein, je suis une tafiole, voilà. Eh, mais ça éclaire que dalle en fait, le truc de lumière, la pierre de lumière. La luminite, ça s'appelle en français. C'est moche, oh là là, mais quand ils ont craché sur les lions. On a essayé de trouver un moyen, ils sont jusqu'au lac de lave. Non. C'est une mauvaise idée, Marty. Si on cherche un donjon. Un donjon, c'est un spawner de monstres. Non. Ah là, c'est plus les vrais donjons. Hein. Alors là, c'est donjon puissance 10. Valentine, c'est pratique pour. Non. C'est pas vrai. Ah. Ramène-toi ici si t'as des couilles, le gars. Ramène-toi à me battre face à Bulleon. T'enfuis, c'est ça le pire. Vas-y, cours. Ah bah, Ukraine, ça y est, arrêtez. Il est où? Ah, moi je me sens trop à l'aise avec ces cochons. Ah, mais en fait, quand tu les vois de près, ils sont super moches. Hein. Bah oui. Où tu es, toi? Je les ai toujours trouvés mignons, mais c'est parce que je les regardais vraiment de loin, quoi. Oh là là, c'est pas une bonne idée de se battre par ici. Oh putain, je l'ai entendu tirer quelque chose. Ah! Putain. Là! Ah! Il m'a fait un hitchat là! Excusez-moi. Ramène tes couilles ici, le gars! Moi, c'est bon, il me touche, il essaie de pas m'attaquer, alors ça va. Ah, j'ai rien dit! Il est. Le pire, c'est qu'il fait des. Laisse-moi parler! Là, tu vois la petite corniche là en dessous de toi, en dessous. Ouais. Et eh bien c'est où j'étais. Et là je vois une boule de feu arriver sur moi. Le gros taré où il était. Dans les enfants. Je vais pousser Piggy au suicide.
L'enfoiré. Oh, c'est hardcore. Oh, j'aime ça. I love that. Mais où est-il? I love violence, brut. C'est épique, les gens. On est épique, nous. On aime l'épicness. J'aime faire des ronds. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Luigi. Mario. Ah, oui, c'est moi, Mario, en plus. Et moi, je suis vert. There we go. T'es vert. Lol. Bah oui. Comme ah comme oui, Luigi. Comme Luigi. 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 Mario. Pam 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 pam. Non, ça c'est Sonic. Sega, c'est plus fort que toi. Ah voilà, ça y est, je suis en bas. T'es en bas? Par où t'es passé? Fais voir. Je t'amène à la corniche. C'est chiant, à chaque fois que j'en appuie, je crois que c'est toi. Enfoiré. J'ai entendu le ghast. Ah, pareil. Ah, oh, mais là, on est mieux, là. Je l'entends nous larguer. Espèce d'enfoiré. T'as tué Kenny. Bon, bah, en fait, ça nous avançait absolument à rien, j'ai l'impression. J'ai vu un troll face l'autre jour, tu sais, tu vois Jésus qui met qui sourit en disant j'ai ressuscité une fois. Et t'as le mec de Dragon Ball ah, oui. Z, là, Goku, il dit moi, j'ai ressuscité deux fois. Et là, t'as Kenny qui arrive et qui fait vos gueules. Ouais. En fait, c'est un mix de squelette, Hulk et Piggy. Oh, bonjour. On aurait bon, dit un rire de bébé là, c'était horrible. Occupe-toi de chercher. Rire de bébé. Désolé, attends, je roule mon chien. Le chien à Gotok. C'est le chien à Gotok. J'ouvrirai à mon chien. Le chien, oui, le chien à Gotok. Je vais faire une petite porte devant pour qu'on sache où c'est. Porte. Porte. Je vais faire un truc comme ça, je vais mettre de la terre, ça c'est de la terre et du bois. C'est ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis joyeux, j'aime bien chanter. C'est la fête de la musique, c'est pour ça. Mets des torches de temps en temps pour qu'on sache à peu près où. T'es marrant, pour mettre des torches, il faut que j'en ai. On il y a trois piggy qui font une partouze. Ok, bah couleur temporelle dans 3, 2, 1. Le piggy, tu as été envoyé avec nous dans le couloir temporel. Mec, tu crois? Ça lag, j'ai 3 FPS. 37, ça va. Ça lag. C'est fluide. C'est fluide et c'est cool. Putain, je me suis arrêté. Je me suis arrêté à un poil d'un ravin, tu vois. Ok, attends, viens voir. Viens voir, Méléon. Attention. Et toi, Sneak. Ah mais non, t'es pas à la tête, je suis con. Tu le vois pas. Opération infiltration. Ah, si je suis en... Est-ce que tu le vois là? Tu l'as entendu là? Je l'entends mais je ne le vois pas. Il nous a pas vu, allez cours, cours, cours. Cours, cours, cours. Cours, vite, cours. Attention. Il arrive, attention. Ah, ça lag. Ah! Il m'a shot! Attention, ça la lave! Ah, ça lag! Ah, ça lag! Oh. Oula! Où il est? Il a lag ou pas? On sort du couloir temporel pour cet affrontement mythique avec un ghast! Mais il vole, l'enfoiré! Y'en a deux! Non! Y'en a deux! Bon, moi je propose qu'on retourne en ND. C'est-à-dire chez nous. Ne tire pas sur Poléon. Chante plutôt. Ah, ça lag. Pas vrai, il a bougé. Ah! Je vais mourir. Oh. Ah, celui-là, ça lag, ça lag. Je peux rien faire. Je me repose en attendant que je récupère. Quand y a pas le choix, y a pas le choix.
Tu as dit, Goofy. On prend un stack de flèches ainsi qu'un arc. Et un deuxième stack de flèches pour être sûr. Ensuite, on... Ah oui, ça tombe. On repasse en game mode normal, c'est parti. Un donjon. Où ça? Là, viens. Je le vois, je crois. Oh, je... Yeah! Ouais! Un! Oh, oh, oh! À l'attaque du donjon. Où est le deuxième? Je le vois pas. Là, je suis rentré dans un... Viens, je suis pas très tranquille, là. T'es où? Viens là. Tu es... T'es rentré dedans? Comment t'as fait? Bolos, regarde là. Eh oh. Mais je ne vois rien, c'est trop sombre. Merde, j'ai terminé. Le gaz, il y en a deux. Attention, il y a tout le feu. Putain. Headshot. Bah je vais pas, pas aller loin avec une flèche dans la main. Je les vois pas, j'en ai mis. Allez viens, on passe par l'autre. Bon attends, je suis avec toi. Ah t'en as eu un. Je vois pas le deuxième. Il est loin, c'est bon. Allez viens, il a capitulé. Bravo Bullion. J'ai été de... Ah c'est dans la... Ah c'est gros FPS. Voilà. Je l'entends. Attention, sors ton épée là, parce que là ça va être du combat à rapprocher. Ouais, je sais. Première étape. C'est marqué où? Il y a des trucs marqués. Ah bah, on est déjà à la fin du donjon. Bon. C'est vrai? Comment tu sais? Bon, regarde, c'est ça les champignons du désert. Prends le max. Ah, ça lag. Et ça sert à quoi? Des poisons ou des trucs comme ça, je sais pas. On a l'air un peu ignorant sur le sujet, mais en même temps, on s'est jamais attardé au survival. Est-ce que tu entends? Oh, regarde qui voilà. C'est bon, j'ai tué. Et il y a un blast, hein, pas loin. Tu entends? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le vois, là? Me tire pas dessus. J'ai 3 coeurs. C'est bon, ça remonte. T'as vu, c'est ça, un blast. C'est que ça sert à faire des trucs cool, c'est tout. Oh, regarde un slime de fire. Viens voir, vite. Là. Ah bah, j'ai tué. Oh, regarde. C'est quoi? C'est stylé. Je te parie que je l'ai retrouvé en moins de 2. Non, mais il a sorti le portail du Nether, c'est ça que je dis. Ouais. Y'a rien. Attends-moi. Ah, je propose qu'on se laisse là et qu'on reprenne ça la prochaine fois. En plus j'entends un blast. Attends, je suis où? Oh putain, je suis perdu. Oh, je l'ai eu. Bon voilà, c'était Gotok et Bullion pour une aventure passionnante dans le Nether. Ciao tout le monde, bye bye. Bye. Wow, ça va tous, c'est Gotok et aujourd'hui je parle lentement car nous sommes en compagnie d'une espèce très rare de Blast. Blast, non je sais plus le nom. Moi je serais... Ah il balance des boules de feu ces enfoirés. T'es où? T'aurais pu me le dire. Ça paraissait un peu logique. Ah y a, t'as vu, y a un escalier. Ah oui, c'est là que je viens. Il y a personne, ah si y'en a un. J'ai eu le Blast. Alors moi je serais plutôt d'avis à rentrer maintenant parce que là sinon on va finir par se perdre. Tu crois pas? Je crois qu'on a fini par se perdre surtout en fait. Paris. Allez maintenant on va faire Je te parie d'être en dessous ce soir. Allez viens. Bon la blague était un peu classique mais bon. On va faire une accélération. Couloir temporel Marty. Alors, donc là c'était le premier blast qu'on a eu donc ça gauche. Ah bah encore un blast. Alors non, c'était pas par là. Ah c'est quoi ça? C'était un cochon. Donc là c'est à droite, voilà. Du donjon, mais moi j'aurais réussi. C'est après. Alors attends, hop, c'est par où? C'est par là et voilà. Ouais. Maintenant on sprint non-stop à cause des blasts qui doivent pas être très loin. C'est bon, on a des arcs maintenant. C'est vrai. Nous les avons eu en toute légalité, n'est-ce pas?
en toute légalité. Ah non, faut pas qu'on siffle parce que vu que la voix elle sera plus aiguë quand ça sera en accéléré. Ça va être un ultrason. Ils vont chier dans leur froc. Est-ce que... Donc là, maintenant notre porte. Je passe dans la porte. Ça ne sert à rien mais j'y passe. En plus on peut pas passer dedans. Oh non. Alors qu'est-ce qu'on fera au retour? Qu'est-ce qu'on fera qu'on arrivera à la maison? On va, on soufflera et on se dira, nous avons survécu à 4 ghasts, même 5 je crois qu'on en a tué, si on compte celui que t'as tué en game mode. Beaucoup de blasts, slime de feu et ainsi de suite. C'est vrai? Non! C'est pas vrai! Cours. Où il est? Moi je m'en bats les couilles, je cours. Je ne le vois pas. Et voilà, regarde. Le truc. Oh! Gotok, tu es un héros pour moi. Et là, il y aura. Ah, on est trop fort. Voilà les gens. Attends, on fait une petite pause. Attends, entre parents. Nous revoilà. Donc, bah voilà. Bah, on a réussi. Même Buléon est pâté de mon sens d'orientation. Ouais, bah t'as eu de la chance de tomber sur une. Voilà. Ouais, c'est ça, t'es jaloux, c'est tout. Donc voilà, on est retour à la maison. Ah c'est fou comment ça fait vraiment monde de camp, tu vois, très très coloré et tout quand on a Ouais, ah surtout moi j'ai baissé la luminosité parce que sinon je vais souffrir. Bon, je propose de faire quelques ellipses par-ci par-là pour qu'on vous montre les pièges qu'on va faire avec ce qu'on a actuellement, non? Pour qu'on montre quoi? Faire des petits pièges, non? Des pièges pour qui? Pour les gentils méchants. Méchants mobs. Non? Bon. Ah c'est trop une idée, je sais pas. On n'est pas trop grillé, regarde dans le coffre au-dessus. Quoi? Oeuf de cochon. C'est bon. Si on faisait une petite séance d'exploration. D'exploration où? Bah dehors. Ah du coup je reprends mon épée, alors attends. Épée en fer, elle est là. Que un jour on. Tu m'entends? Ouais. Un jour on aille vers l'Ender. Vers quoi? L'Ender. Oulala, là tu veux te frotter à quelque chose de trop gros pour moi. J'ai encore une fleur. Tu es mon ami. Fais l'amour. Est-ce que t'as déjà visité un... Est-ce que ton offre de 15€ pour une pipe de l'épisode 4 tient toujours? Oh c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Viens, je suis. Viens là, regarde. Mais comme moi, mais appuie sur F1. Je bande. Me branle. C'est dégueulasse. Attends, pas en vidéo quand même. Que tu y arriverais dans une jungle, et eh ben si tu n'y arrivais pas, tu me décevrais. Et je viens de me ramasser comme une vieille merde. Je veux monter sur cet arbre, c'est mon objectif dans la vie. Saloperie d'arbre. Tu es mon objectif dans la vie. Oh yeah. Oh yeah. Ah, bah alors tu vois, là on était dans la jungle. Si tu suis le cours de la rivière, t'arrives dans le biome neige. C'est pas logique. You mad, bro? Ah, y'a quelque chose qui me tire des flèches, c'est de toi. Ah ouais, t'es trop bien caché. Ah le bâtard! Aïe! Il se barre. Ah le bâtard, il m'a eu. Ah mais non. L'autre il est explosé, il est fier de sa connerie. Eh hey, mais ça fait 4 ans. J'ai récupéré ton XP. Bon, il va commencer à faire nuit. Je propose qu'on rentre à la maison, qu'on finisse l'épisode. Ouais, il va commencer à faire nuit. Bon, on peut faire une petite épopée dans la jungle. Oh, mais il va faire nuit et là, tu vas moins rigoler. Hein. On va voir si tu vas réussir à rentrer à la maison. Bon, moi je suis à la maison là. T'es à la maison? Ouais. Moi j'y vais. Je vais me retrouver tout seul dans la nuit comme un petit pauvre petit chéri bout de chou tout perdu, tout mignon. Ah.
Help. Non. Je suis perdu dans les feuillages. Voilà. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la rivière. Attends, on avait plein de... T'as entendu une explosion ou pas? Non. Ah bah c'est que je suis encore loin alors. Parce que je suis pas en train de m'éloigner par hasard. Je reconnais rien. Je crois que je suis loin. Oh mon dieu. Oh là là, mais n'empêche, t'es vraiment pas doué. Mais qu'est pas ça, je suis rendu à la neige. Ah c'est l'autre sens. Bon, te pète-toi sur moi parce que sinon les gens ils vont se faire chier là. Non, j'y arriverai par tous les moyens. Non mais je suis presque à la maison en fait, je reconnais. T'es sûr que tu reconnais? Non. Non mais attends, là je suis presque sûr que je suis à la maison, pratiquement. Bientôt. Moi je fais un petit peu de jardinerie. De jardinage. C'est pareil. Ah merde. Je suis désolé. Oula. Ouais en fait TP-moi à toi. Ah non, c'est toi, t'es pas. Toi, t'es pété toi à moi. Non, mais je suis poursuivi par un squelette, donc voilà. Attends, je tue ce squelette. Hein? Attends, Guiléon. Ah, t'es mort. Ah non. Voilà. Pourquoi y'a un truc? Viens voir. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli. Moi, j'ai un peu de. J'ai un peu tué du zombie et tout. Me faire de l'XP. On a fait ce qu'on avait à faire. Si vous avez des idées pour le prochain épisode, parce que là je pourrais faire une pause de du tel show vu qu'on en a plein les fouilles, on est bourré du 7 là. Oh y'a le ouais. XP ici. Oh bah XP grave. J'ai 3... à ce moment là j'ai 3 épisodes à publier, du coup bah vous voyez à quel point je suis avancé. 3 épisodes, bah ouais moi j'en ai 3 aussi, parce que le 4 est un trop de publication. Donc voilà des gens, on vous dit à la prochaine, ciao, bye bye. Tu dis au revoir ? Il a pété. Bah, au revoir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cette expérience avec Gotox, c'est qu'on s'est rendu compte que ce SCP-087 ne faisait en fait pas du tout peur, puisque le moment le plus flippant de cette vidéo, le voici. Date coiffure. Par rapport à la chier qu'avait été SCP-087-B, là je peux dire que j'ai été déçu. Mais on a bien rigolé, c'est pour ça que vous n'allez pas avoir d'image du jeu, parce que je vais pas me faire chier à vous monter une facecam alors qu'il se passe rien dans le jeu, clairement. Hein, franchement, il se passe rien, on a descendu 80 étages, je crois. Mais ça aurait été quand même dommage de vous priver des quelques petits délires qu'on a eu pendant cette vidéo et surtout de l'énorme fail qu'il y a à la fin, je vous préviens, c'est assez beau à voir, merci de t'être. Tu es prêt? Salut tout le monde, c'est TheBulle29 et il y a... Gotox. Ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Donc voilà. Qui commence? Faudrait peut-être dire où on se retrouve déjà, on se retrouve sur... On se retrouve devant une porte. Voilà. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, puisque bon, je trouve ça toujours inutile de préciser dans quel jour on est, vu que c'est marqué dans le titre, généralement. Oui, mais bon, c'est toujours bien. Donc là, on est dans les attarder un peu. Amnésia, tu vois. Amnésia. Alors. On est sur SCP-087. Et Call of Duty version. Non, je déconne. Bon. Bon, bah, je commence apparemment. Oui, la question se pose pas de toute façon. Et pour les FPS aussi, parce que là, on voit qu'on est à 13 FPS, c'est les mêmes en 1500x900 qu'en 800x600, donc on va rester comme ça, les gens. On n'a pas tout un ordi de merde de toute façon. Dit-il avec son chipset graphique. C'est assez spécial la sensibilité. Oui, c'est le W. C'est le what the fuck. Ouais. En gros, ça réagit 30 ans après. C'est un peu comme dans Minecraft quand t'actives l'option bizarre là. Ah oui. Alors. Étage 0. C'est un 0 ça? C'est un 0. Je vais aller jusqu'au 10 et je vais te passer la manette. On va faire un truc, on va éteindre la lampe pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, mais on voit plus trop la caméra, regarde.
On va rallumer la lampe pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux, hein. Dites-le dans les commentaires. Oh. T'as raison, Gotok ou Bilion. Oh, il avance plus là. On est au 2. Au 2. Moins 2, ça serait la logique. Oui, mais ce jeu n'est pas logique. C'est marrant, pour l'instant, j'ai pas peur. Oui, on est qu'à l'étage 2. Puisque la. La. L'harmonie sonore n'est pas encore arrivée, on va dire. Eh ben, je vais faire un truc. Pourquoi j'ai dit ça? Quand j'ai dit ça. On monte le son. Vous, j'imagine que vous êtes habitué, hein, Gotok le peureux. Et Gaëtan le peureux aussi. Un peu moins quand même, hein. Ah, la dernière fois je me suis bien chié dessus quand même. Ouais, j'ai regardé mais j'ai trop aimé quand même. Mais c'était un vieux screamer en 20 minutes de vidéo, j'étais déçu moi. Oui, c'est vrai. Oui, mais quand tu joues, t'espères qu'il y ait moins de screamers quand même. Oh, oh. Moi, la question que je me posais à cet endroit là, c'est qu'est-ce que je fous là? Surtout que le monde balance comme ça, on te met un bruit de porte qui se ferme, tu te retournes et une porte. Voilà. Maintenant, tu descends et tu te tais. Je trouve cette rambarde très belle. On va rester regarder cette rambarde jusqu'à la fin de la vidéo. Regardons-la. La texture n'est pas très, très, ouais, très avancée. Bon, allez, on avance. On avance, on va pas faire chier quand même. Suis-je suivi? Vite. Ah non, mais je suis incapable, Gaëtan. Non, t'es capable. C'est le 10, mon cher ami. Ce n'est qu'un au revoir. Oulala. Oh là là. T'as vu, c'est un peu spécial, on va dire. Et une technique comme ça, ça ne donne pas réfléchir. C'est moi où j'entends une respiration maintenant. Non, mais arrête de réfléchir. Mode cerveau off. Non, regarde l'écran, s'il te plaît. Pour avoir peur en même temps que moi. Bruit de pas s'arrêter. Je transpire quand même pas. C'est les auréoles que je vais voir à la fin de la vidéo. On va jusqu'à l'étage combien, mon cher? On verra. Jusqu'à que. Que nos glandes oculaires ne puissent plus produire de. Nos glandes oculaires? Très bien. Oh putain. Je te parie un bisou sur la joue, parce que c'est toi qui me le feras si je rate. D'accord. Que le screamer va être sur cet étage-là. Cet âge-là. Ok. Raté. Non, mais je parle de l'étage encore en dessous. Bien sûr. Je sens les gouttes parler dans mon corps. Tu entends ça? Dis-toi que si on veut avoir la fin, faut aller à l'étage 100 minimum. Bah, la fin, c'est plus des. C'est des. En fait, c'est une partousse de monstre. T'arrives en mode. Ah, il y a monsieur Gotok. T'éloigne pas trop quand même, hein. Non, mais t'inquiète pas. Je veux t'avoir dans mon champ de vision. Ah oui, la caméra, c'est vrai. Parce que je suis sûr que j'ai parcouru tes 10 étages en deux fois moins de temps que toi t'as parcouru le 10 premier. Oui, mais bon. Voilà. Hein. C'est la faute du moteur tout à fait phénoménal de la caméra de ce jeu. C'est fait avec Frostbite 2, je crois. Frostbite, s'il te plaît. Non, Frostbite. C'est moche. Non, mais tu. Frostbite! Le vrai c'est Frostbite et quand c'est de la merde, bah c'est Frostbite. Parce que bite, genre phallus. LOL! C'est pas. Tu m'as dit ça, toi. C'est pas grave. LOL! Lolalalalalalala. Ça se rapproche. Tu comptes la publier quand la vidéo? Pas trop tôt, histoire qu'on garde notre dignité. Non, je sais pas pourquoi. Ta dignité, tu l'as pas depuis longtemps. Ah! Est-ce que tu as vu cela? C'était quoi? Bah il y a eu un truc qui est passé, bah on a vu une ombre par-dessus devant ma. Mon cerveau a décidé de doter toutes les fonctions factorielles. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot mais ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Je reconnais ce Frostbite 2. Frostbite. Frostbite. Mais ça se dit vraiment Frostbite? Mais non, ça se dit Frostbite, t'es con. Puis en fait, depuis le début, c'est l'aspiration du mec, on va arriver à la haute 300, on va pas croiser un seul truc. C'est marrant d'imaginer que tu vas dans un axe où le destin te montrera forcément quelque chose. Tu sais que forcément, il y aura quelque chose. Et que tu n'y penses pas, mais que tu sais que tu vas l'avoir. What? La mort? Ou le screamer? Le screamer, ça fait plus peur.
La vie, c'est la pire des maladies. On en meurt tous. Est-ce que tu savais que la vie, c'est une maladie sexuellement transmissible? Elle est très transmissible. Tu as 100% de mourir. Tu as 100% de chance de mourir. Ce fut discrétion. C'est discrétion. Eh, hey, toi, la personne qui respire, désires-tu voir mon phallus? Est-ce qu'on voit le phallus de notre ami? Non, pas du tout. Je tourne 30 et on n'aura pas croisé un seul screamer. Ça, c'est pas normal, les gens. C'est-à-dire, c'est toi qui vas tout prendre, sauf si on a un screamer pile au 30. On a quand même eu une ombre sur notre lampe torche. Je tiens à préciser. Peut-être un spermatozoïde volant qui est passé par là. Eh non, il n'y a pas de screamer. Et c'est bien le 30. On peut s'approcher un peu si tu veux. Ah, tu vois bien, c'est le 30. Excuse-moi, ça c'est un 26. C'est un 26. Regardons pas. Regarde un peu devant toi aussi. Ça serait con qu'on voit les pieds d'un screamer. Je te fais pas dire. Mais ça ressemble à quoi un screamer? Ça ressemble à un truc qui crie. C'est nul. Ça fait peur. 32. Et j'ai plus vite que toi, Apollo. Ouais, je sais. T'as toujours été plus rapide, pardon. Enfoiré. Je peux rappeler de ping-pong, connard. Bah oui. Moi, c'est ça que je parlais. À quoi pensais-tu, petit chenapan? Ça te dit qu'on aille jouer à Nyan Cat? Un petit monde de poney. Petit poney. Petit poney. C'est quand même pas très. On n'est pas très à fond dans la chanson. Tu vois les mecs qui sont devant un genre d'horreur. Petit poney. Et on chante quelque chose de rigolo. Je mets la tête sur la caméra. Je peux pas m'empêcher de rire. Tu connais ma chance éternelle. Tu vois, c'est exactement ça que j'ai eu tout à l'heure. Alors, soit ce mec passe sa lampe torche devant le poil de ses bites, soit il y a vraiment quelque chose qui passe devant la caméra à chaque fois. Ah putain, déjà, merde. Les gens. Je crois qu'il te reste encore un escalier à prendre. Bon. Bon. Il est bon, le bonbon. Allez, let's go. On peut sauter là et se suicider. Oh, ça marche! Oh, 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 oh. In your face. Mais sérieux! C'est dégueulasse! Le mec qui a sauté en étage! Ah, c'est trop bien! Attends, je vais le refaire! Glisser et se ramasser les testicules sur la barre. Oh, caméra de lumière sous les projecteurs. Oh, les gens, il y avait une petite éruption de chien qui rentre dans la chambre. C'est bien d'avoir dit ça avant que j'ai relancé la vidéo. 3, 2, 1. Oh, les gens. On appelle ça une intro quand on revient comme ça, comment on appelle ça? Une rintro. La rintro, ah bon, nous venons d'inventer la rintro, les gens, en direct. La rintro. There are some... Ah là là là. Non, t'es sérieux? C'est passé quoi? Bah pareil, les ombres. J'allais dire, it there somebody. Somebody that I used to know. It's an... There we are. Hey, 48, non mais arrêtez là. Non, c'est pas le 48, c'est 40. C'est le 49, on a mis. Non. Bah si, regarde, c'est un 9. Putain. Grosse soirée dans l'escalier en tout cas. Merci. 50. It's your turn, bitch. C'est heureux de vous connaître. Hein. Ouais. À quelque chose près, j'aurais fait mon retour sur YouTube, vous voyez.
Mais non, il a fallu que le destin s'en mêle et que un putain de jeu de merde me fasse une crise cardiaque. Tu sais, à la fin de ma vidéo, je fais vraiment une crise cardiaque. Mais tu vas poster sur YouTube et t'aurais des millions de vues, tu rémunérais la vidéo. Ouais. Mais je te rappelle qu'on doit faire un DM de maths et que j'ai besoin de toi après. Donc, le mec a 3 heures de retardement. Oh putain, la CP. What the fuck. Je trouve qu'on parle un peu moins qu'au début quand même. Je fais un cauchemar cette nuit. Ah. Avec un mec qui me fait visiter son Buffalo Green. Est-ce qu'il serait question de phallus? What the fuck? Je crois que j'aime les phallus. Bah, vaut mieux le savoir tôt que je. Enfin, tard que. Bon, voilà, tu me comprends. Allez, Jean, je le fais en run. Ça fait quand même 3 fois chacun qu'on prend le truc, y'a toujours rien eu. Alors que dès le 10 premier étage, on flippait sur la notre race. On peut pas faire une vidéo intéressante avec un mec qui est comme ça. Y'a un autre qui. Intéressant. Sous de ma gueule. Tu mets pas des bruits comme ça dans ton jeu. Plus au moment où tu prends la souris. Tu mets des musiques de Mario. Oui. Mario. Musique Mario, montage. Ah merde, montage supplémentaire. Oh putain, merde. Je promets de Skrillex avec un tsunami qui arrive. Tu vas galérer toi. Mais c'est qui se passerait dans ces escaliers en fait, avec un peu de peinture et 2-3 fenêtres, ce serait même plutôt sympa. Beaucoup de peinture du coup. Oui, beaucoup de peinture. Ça fait la surface la fenêtre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 53 étages quand même, 63, on est 63. C'était mieux sans le son. C'était bien quand il y avait plus de son. On en flippe même pendant les bugs. Sport finalement. Je pense que putain ce serait. Jouer à SCP est bon pour le régime. Je pense que plus de personnes se seraient arrêtées avant. Ça veut dire on est courageux. Oui, enfin bon, on n'est pas vraiment à l'intérieur du jeu quoi. C'est vrai. Courageux quand même. Un maître, GTA. GTA. Le mec que tu butes tout au début là. C'est cool. Bonjour, j'ai fait partie de GTA. Le petit piéton, c'est un second plan qui se fait écraser la course-poursuite au début là. Au début du GTA 5. Et tu veux savoir la fin? Parce qu'on m'a spoil et c'est tellement mal de se faire spoil un putain de jeu que j'ai envie de tout spoiler à tout le monde. Alors à la fin de GTA 5, il y a Trevor qui c'est bien, mais moi en fait je vais pas lâcher, je m'en fous. C'est pas. Attends, étage combien là? Le même étage que la position sexuelle. Ah ouais? 69. 69. Bon les gens, on est désolé. Donc en fait, il est désolé. Je suis désolé. On a dû mon téléphone. Je recommence. Restart. Je recommence. Restart. Mon iPhone. Restart. Ta gueule. Mon iPhone n'avait plus de place sur son disque dur, donc la vidéo a coupé toute seule. Et gentiment, Monsieur Gotox s'est proposé de mettre pause en mettant échappe. Sauf qu'il se trouve que sur ce jeu, échappe, ça ferme le jeu. Mince. Ah. Oh là là, donc on va vous laisser là, parce qu'il n'y a plus trop le choix, on va pas se retaper 67 étages. Non, je crois pas, sachant qu'on aura plus de chances de croiser un screamer, parce que là, je pense qu'on a eu beaucoup de chances de pas croiser un seul screamer. On a juste eu des petites ombres sympathiques devant notre lampe torche. Donc je pense que cet épisode sera beaucoup traversé d'ellipses, si je puis me permettre. Ce sera peut-être même juste une intro à autre chose, parce que là, c'est... Avec cette conclusion. Voilà. Voilà. C'est tout pour le moment. Ceci était un epic fail de pratiquement 25 minutes. Merci mesdames et messieurs. Plus. Parce que le temps qu'il enlève toute la place qu'il avait sur son iPhone... Bah oui, mais c'est pas ma faute.
Bon, bah, je vais voir mon chien parce qu'il pleure derrière. Ouais, et nous, on va faire nos devoirs. Oui. Parce qu'il est temps. Puis après, on va baisser comme des chiens. Et on vous retrouve la prochaine fois. Salut. What the fuck. Chien bitch. Every day, every day, every day. Tu veux savoir quoi? Quelque chose? Vas-y. Je range mon casque. D'accord. Du coup, vous avez retrouvé votre chien? Ah oui, on a retrouvé notre chien. Vous avez flippé à mort, non? Ma mère, elle était limite en train de pleurer. Non, carrément. Ouais. Nous, Pupus, Ivan a une vie de sauvage. Hein. Bah ouais, mais nous, on est à côté d'une grande route et le chien, il sort pas, normalement. Alors, je dois te rejoindre? Oh, une invitation! Ah, je me suis trompé le bouton, j'ai quitté le jeu, non! Sérieux? Comment ça va? On commence par une petite MME, ma couille. Eh, attends, tu veux qu'on joue genre comme ça, ouais, direct en ligne? Tu veux jouer en 1v1? Ouais, on se fait une petite partie comme ça. Bah, rejoins-moi, connasse. Je te rejoins, connasse. Eh, c'est moi qui t'appelle connasse. C'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est toi qui raccroche. T'es un ouf, quoi. Ah, est-ce que j'ai une classe au sniper? Oh, j'ai snipe Bullion. Eh, bah, j'ai une classe au sniper, alors on va jouer au sniper. Même je l'ai. Ah, non, bon, d'accord. je voulais renommer ma classe, mais toi tu voulais pas. Oh mon dieu, c'est dégueulasse les graphismes. Oh, c'est pas censé être comme ça, les gens. Pas censé être comme ça. Et pourquoi je suis qu'à 20 FPS? Ouais, ça va pas le faire ça, le mode sans échec là. Ah non, mais c'est normal, c'est Rust. J'avais oublié. Alors, ombre, oui, carte spéculaire. Adoucir la fumée, non. Poupée de chiffon, c'est quoi ça? Bah non. Qualité des textures. Ah, je peux pas baisser. Ah, je peux pas changer pendant le jeu. Merde. Ah, c'est moche. Ah, c'est dégueulasse, quoi. Non, mais normalement, mon jeu à moi il est plus beau que ça. Ah, merde. Le temps que je t'ajuste aussi. Déjà que je suis pas précis, mais alors à 20 FPS. Ah. Mais tu lags en plus. Tu lags. Mais tu lags comme. C'est toi qui lags. Bah, moi j'ai 4 barres. Hein. Toi t'as 3 barres, mon. C'est pas une raison. Évidemment. Alors vous. Eh oh, c'est quoi ça? Ok. Voilà. Vindy Dieu. Oh le bâtard, tu as fait quoi? Je t'ai attendu. Oh, c'est la saison. Un jour tu seras peut-être fort à Call of. Non, je déconne. Mais faut que je sois sur console. Ça me tire dessus, ça tire sur moi, pas sur moi, laissez-moi vivre ou mourir. Ah, puisque t'étais là. Moi j'ai peur. Château. Non, mitrailleur, c'est pas pareil. Notre drone est activé. Tu es sérieux? Ah, c'est cringe, pédale. Où t'y es, ma belle? Ici le prédateur allié en approche. Colis stratégique prêt pour largage. Non, j'ai raté. Putain, je savais plus comment on faisait pour l'accélérer. T'es ma belle. Marquez l'endroit où largue le colis stratégique. Je répète. Ça marchait tout à l'heure. Je siffle le bordel. Okay. T'es sérieux toi? J'aime ce sniper. Qui colle à moi. T'es où? Où il est? Ah, j'aime pas ça, ne pas savoir où tu es. Le soleil. Aïe aïe aïe. Je comprends pourquoi j'avais du mal à t'entendre parce que j'avais mis mon casque à l'envers, du coup je regardais à gauche. Oh, t'es à droite! C'est pour ça que je me fais cliquer les bonnes fois. Qui est con, lui.
Moi j'ai qu'une oreillette sur deux qui fonctionne. I'm searching you, bitch. I am doing the same, bitch. Je ferais une erreur. Oh! Comment ça, c'est... Comment ça t'es pas mort? Comment ça t'es pas mort? Où t'es? Je vais réparer cette injustice, je vais te tuer. Où t'es? Ah! Tu devais mourir. C'était dans la loi de Call of Duty. Le mec il a dit c'est trop de brain, ça abusé. Vas-y, si je vais contre par là, il y a 78% de chance qu'il passe par là et que du coup je pourrais l'avoir dans 78% des cas. Tiens, mon plan est parfait. Hein? J'ai fait quoi? Tu as fait une technique de lopette. Pourquoi pas? T'es sérieux? Moi, spotted? Mais jamais! Enfin! Il est trop con! Mais comment on peut être aussi con pour se faire avoir? Je répète, frappe aérienne en attente de vos indications. Mais quel con! Mais j'y crois même pas que j'ai réussi à t'avoir comme ça! C'est pas possible, c'est juste pas possible! Je répète, frappe indication. Je répète, frappe aérienne en attente de vos indications. Frappe aérienne alliée imminente. T'es sérieux? Ah, ah, bah ça va pas marcher. Ça n'a pas marché. Merde, ça fait merde, mais... NON! Ah! Ah! T'es sérieux? Hey, attends, moi je fais un hit marker, c'est pas juste, hein! Moi je suis trop nul, normalement, ça a un hit marker et ça existe pas avec moi. Moi, noob, jamais! Comment tu veux jouer avec ça? Non! J'étais allé à un sniper, moi, j'étais resté avec mon sniper. Oh, bâtard! Enfoiré. Jamais je ne serai un noob. Moi, je joue toujours proprement en sniper. Oui, bah, c'est bien parti. Ah regarde le cam. Ah non, mais c'était Steamboul. Ah, on s'allonge, Guillou. Ah oh, ce blaireau. On s'allonge. Il s'allonge. Ah, bon. Cette... Comment as-tu deviné? Cette discrétion. Non mais t'es où toi, fils de cacamoulin? T'as bien te cacher parce que je te vois pas. Mais peut-être m'entends-tu, trickshot, oui. Oh, en plein vol, mais c'est pas humain d'être aussi précis. Alors que moi, je suis aussi mauvais. Hein? What the fuck? Okay. Et moi, je suis là, accroupi. Oh non. Oh mais non. Ah là. Eh, j'ai essayé un quickscope, c'est tout. Hein? Hein? Où ça? C'est un peu facile d'esquiver mes tirs, je l'avoue. Ah, bien étant et discret. Ah non! Non, 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 non! Je t'aurais. Ah ouais! J'allais te targuer! Vas-y, pas regarder. Ouh! Je te fais un hitmarker! Et tu vas faire un noscope? Ah non, là je suis pas d'accord, je suis dessus. Je demande de ralentir, mesdames et messieurs.
pour le peuple. Moi je peux pas viser et bouger en même temps, je suis déjà pas précis alors bon. Ah, encore un coup shot. Non les testiboules. Non les testiboules. Salut toi. Coucou, est-ce que tu as un gros pénis? T'es sérieux, tu veux terminal toi? La éternelle blague. C'est quoi la touche déjà pour avoir le... Ah, est-ce que tu m'entends, Nico? Ah non! Ouais! Hey, oh. You! On est de la BZH et on a des gros pénis! Who want to see my penis? Ah non! On avait une ball game! Je suis sûr, ils m'ont ban! Do you want to see my penis? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, t'es plus avec moi là. Mais pourquoi j'ai été jarté? Attends, viens. Je crois qu'ils ne veulent pas voir mon pénis. Est-ce que tu as activé pour les entendre quand même? Attends. Ils ont dit quoi? Ferme ta gueule, fils de pute. Tu vas dans option voix et tu décoches tous muets. Enfin, tu mets non. Attends, j'ai pas d'option. Baraquement plutôt. Baraquement? Bah, ouais. Tu pouvais me dire avant que je. Fous ta gueule. Ah, j'ai explosé de rire. Tout du fils de pute. On est tombé sur des Français quand même. Ouais, deux Français. Salut, joueur trouvé. J'aurais parlé plus souvent dans les accueils, c'est rigolo. C'est clair. Il y en a un qui s'appelle Na. Na. Hello. Ils te répondent toi là ou quoi? Non. De toute façon, ça marque un petit signe sur le côté. Ouais, mais c'est pour ça moi je voyais pas. Ça doit être un bug. Skydraw, première partie depuis un très long moment. Je vais sortir ma... je vais essayer de sortir la nuque, mon frère. Ah, la nuque! La nuque toi. Moi, je vais essayer de faire plus de 5 kills. Parce que moi, c'est un PVM à Call of Duty, tu vois, des fois, je fais 4. Je désire te voir. On est plus en tête. Oh, j'ai fait un kill! Vas-y, rejoins-moi, on va... Noob RPG. Il t'a répondu? Non, je suis quitté avant. T'as ouf de la vie, mon frère. Eh, je trouve que le mec qui s'appelle Gotok, c'est un noob d'abord. Est-ce qu'il me répond? Do you want to see our huge dicks? Sure. Oh yeah, guy. Come, I will show you. On t'entend pas, mec. Rasse me fait, French noob down, fucking faggot. Baguette fressette hier, fucking look at. Ils sont en train de s'insulter. We are not noobs, look at my score. Du fucking fressette hier. En allemand. Tout ça, ah mais j'aime trop ça, je vais revenir sur PC juste pour pas aller dans les accueils. Ah putain, je vais m'acheter un casque pour parler dans les accueils sur console aussi. Quoique il devrait pas répondre du coup. Hello. Oh ta gueule toi. Hello. Je vais remplir fils de pute. Ah il est français. Non, non pas Charlie. Charlie, c'est ma position aussi, Charlie. Not Charlie, please. Not Charlie, en plus je ne suis qu'à 20 FPS, je comprends pas pourquoi. Ah le mec il a géré là. Pourquoi tu vas t'enfuir comme ça toi?
Oh là 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 là, deux éliminations à suivre. Mais je suis un fire. Notre drone est activé. Oh, vas-y, j'ai joué Space Boost. Ah bah, pas eu le temps. Je fais, oh, vas-y. Crudepota. Hey you. Now we have to go. Oh, oh. Now we have to go, oh, sir. Eh, mais moi je faisais dans le chat, moi. Oui, bah pareil. Ah bon, bah le deuxième, j'ai pas vu. Ou pas. Ou pas. Bon, bah moi faut que je me barre. Salut, mon petit gars. Non, déjà. Je m'en vais. Mais tu vas où? Je sais pas, attends, il est quelle heure? Il est 21h, ouais, bah je vais aller prendre ma doudouche et aller au 2-2. Bon, comme tu veux. Je vais faire une petite unité de partie au 2 et puis je vais y aller. Moi je suis un coup de pied.